space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tatin, comment allez-vous? Et aujourd'hui, donc, voici une petite vidéo pour vous remercier pour les 100 abonnés! Et oui, aujourd'hui, je viens de passer la barre des 100 abonnés, 102 abonnés précisément. Je vous remercie infiniment. Je sais que pour vous, 100 abonnés, ça peut ne être rien, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Parce que là, tout à l'heure, je suis allé sur ma chaîne et là, j'ai vu 102 abonnés. Je me suis dit, oh, pas possible, j'ai rêvé. Eh ben non. Et tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à... Ouais, franchement, je vous remercie infiniment. Je suis vraiment, vraiment touché. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de faire des constructions à Lego. Et ça me fait vraiment plaisir. Par exemple, on m'a demandé récemment de construire les badges des officiers Starfleet de la série originale, ou encore de faire la passerelle de la nouvelle génération. Voilà, en tout cas, vraiment continuer comme ça, à me demander des choses comme ça me fait vraiment plaisir. Après, voilà. Après, il y a un petit temps de latence pour que je les fasse, évidemment. Mais voilà. Et évidemment, il y en a moins en ce moment parce que... Voilà, j'ai des choses à régler en ce moment. Donc, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment, 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 vraiment beaucoup. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Franchement. Et c'est pour ça que, juste après ce petit passage audio, vous aurez un petit... comment dire, récapitulatif de toutes mes actions sur YouTube. Voilà, un petit peu toutes mes vidéos, que ce soit Star Trek Online, Minecraft, Lego Digital Designer, Lego, enfin voilà, voilà. Et un jour, peut-être, je sais pas, je vais vous montrer en vidéo peut-être toutes les créations que j'ai moi-même réalisées. Que j'ai vraiment construite. Et bon, évidemment, vous avez déjà les instructions, mais voilà. Et donc, je voulais juste vous prévenir aussi que dans un certain temps, un brick film va sortir, parce que j'ai un projet de brick film avec un vaisseau Enterprise ou pas. Vous verrez. Donc, un petit projet comme ça. Voilà, je me disais, ce serait bien. Voilà. Petit mélange de stop motion, ancien film, en fait. Enfin, film parce que les vaisseaux, quand ils bougeront, en fait, je vais filmer devant un fond vert comme de la même manière, en fait, qu'ils filmaient les vaisseaux autrefois. Voilà. Avec les maquettes et tout ça. Voilà. Et donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, peut-être. Ouais, peut-être. Et donc, ah oui, et que là, je vais pas tarder à me lancer sur la construction d'intérieur de vaisseau, ce qui comprend, alors pas tout à fait, mais juste un extrait, quoi. Ce qui comprend passerelle et couloir. J'ai déjà fait, en fait, la passerelle de l'Enterprise, du nouvel Enterprise, enfin, pas la refonte, mais Into Darkness et 2009, ainsi que ses couloirs, je les ai totalement faits et finis, et également la passerelle, donc, de la nouvelle génération, je suis en train de la faire. Alors, j'ai commencé celle de génération, mais je vais évidemment faire d'abord celle de
la nouvelle génération, parce qu'elle est très différente, elle a beaucoup changé. J'ai fait les couloirs, et en fait, j'ai créé un texture pack, et j'ai réussi à créer la texture des couloirs de d'Enterprise D. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai créé un vaisseau ben, qui reprend un petit peu ce style de l'intérieur de l'Enterprise D. Donc voilà, j'ai pas fini, j'ai à peine commencé, j'arrive même pas à m'en sortir. Bon, et donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, si ce n'est que je vous remercie vraiment encore une fois. Voilà pour tout votre soutien, vos commentaires, vos j'aime, vos appréciations, vos vues, vos abonnements. Franchement, ça fait vraiment très plaisir d'avoir autant de soutien. Voilà. Et donc, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse apprécier cette petite vidéo. Et merci encore.